une première course en solo. J'ai déjà un petit peu commencé à découvrir le solitaire sur mon, pendant le retour de la Transat Jacques Vabre. Mais là, on va être en course, ça va être beaucoup plus long. Voilà, donc c'est vraiment ça aussi qu'on va chercher. Et le retour d'expérience, il sera hyper intéressant puisqu'on a encore quelques mois pour se préparer pour le Vendée Globe. Mais bon, il était temps qu'on, voilà, qu'on reprenne la mer en solitaire. Et, ouais, y a toujours une petite boule au ventre sur les départs de course, mais je sais que dès que je serai en mer et que je serai parti, tout ira bien. Mais ça va, je suis reposé, je sais que le bateau était bien préparé. C'est canon de pouvoir partager ces moments-là, parce que c'est aussi pour ça qu'on le fait. C'est génial de pouvoir avoir ces échanges qui sont toujours très riches. Et puis tout simplement de rencontrer, là on a la chance d'avoir une partie de la promo Linked Out qui arrive là, qui sera en ligne bientôt. Je suis ravi de pouvoir partager ça avec eux et puis d'emmener ce message-là avec moi dans les voiles. Et oui, ça va me donner de l'énergie et oui, ça me donnera de la pêche pour faire du mieux que je peux et être bon sur l'eau. Après, moi j'y vais avec beaucoup d'envie parce que ça fait longtemps que j'ai pas régaté, donc l'envie de bien faire évidemment, parce que je sais qu'il y a toute une équipe qui a bossé pour ça derrière, et donc j'ai aussi pas envie de les décevoir. Et puis je sais aussi que plus je serai bon et plus le message de Linked Out sera porté loin, donc on va essayer de bien faire. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top départ.